Aïe, 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 aïe. Amout, descend. Hey, la guerre des vues. Ouais, fleur divine, tu me demandes qu'on fait quoi? Masse, la monétisation. Oui. La monétisation. La monétisation. Wow. On partage un peu. Avant de faire le sport, là, on... On partage un peu, non? Le voilà magie, c'est dehors.
Donc, Nadège Morpion. Donc, si je comprends bien, Nadège Morpion veut le concilier. Nadège Morpion veut le concilier Messan et Amout pour combattre Flo. Wow. Donc, le plan de Nadège, le plan de Nadège, c'est aussi les 13 heures. Donc le plan de Nadège, c'est de mélanger, hein? Oshi. Oshi. Il est 13 heures. On tapote, bon. L'autre page, elle est un peu rouge. Donc, je ne peux pas, donc c'est ici que je vais faire la plupart de là, parce que l'autre page est complètement rouge. Donc, Mbappa veut le concilier Amout et Messan pour faire la guerre à Compressor et à Gluta Boss. Je ne sais pas s'il y a une autre explication. Je ne sais pas s'il y a une autre explication. Si vous voyez une autre explication, n'hésitez pas. On va encore dire que Amer Kamer. Dites-moi si je mens. Vous allez me dire si je mens. Mbappa veut le concilier à Motemessan pour entrer en guerre contre le compresseur. Le problème, c'est que je vous ai toujours dit une chose sur la toile. Quand on dit que le king. Pourquoi la connexion, elle est lente? Ngomopion, Nadé, Mbapune, Mbamopion. Quel est le problème? Quelle a porté plainte? Ça dit que nous avons deux lâches. D'un côté, Messan. De l'autre côté, Amout. C'est bizarre quand même. Mais sans homme, ont une particularité, c'est toujours de se trouver dans les 100 caleçons des femmes. Waouh! Mais Amout, au moins, lui, il est un peu. Il veut la visibilité parce que ça fait longtemps quand même. On a coupé les marchés des soirées. On a coupé Amout les marchés des soirées. Flo l'a coupé les ailes. Donc. Je me positionne. Tous les jours, je dois faire 2000 pompes. 2000 pompes. Parce que si je croise mes sangs, je peux boire la veine dans une chandelle. Dans un petit coin noir obscur. Bim, je coupe le père avec les petits frères. Si tu parles encore, je me vais te taper, tu vas comprendre. Et voilà. Donc, si je comprends bien, Mba. Put, Mbamopion. Ils organisent des conférences avec Amout. Et tous les ennemis de Compressor. Waouh! Diamant bleu. Tu as réussi à. Il y avait quand même. Bon, la reine Bio n'est pas là. Mais bon,
On va un peu récapituler, on va un peu faire les choses. C'est pour ça qu'il faut que mon tableau arrive vite. J'ai commandé mon tableau. Donc, nous allons commencer en mathématiques. Nous allons d'abord le facteur alpha et le facteur oméga. Voilà, on commence d'abord par une petite répétition. Une petite répétition. On va d'abord faire deux séries de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait la petite série de 10. Je commence que je commence. 3 séries de 10. 2 séries de 20. 2 séries de 25. 2 séries de 50. 2 séries de 100. Et on commence à progresser comme ça. Donc, on va encore aller plus. On va entrer dans le. N'hésitez pas, partagez. Mettez-vous à cette page. Abonnez-vous à cette page aussi. Parce que c'est là où on va commencer à faire. Donc, on partage. Parce que l'ancienne page, elle est rouge. L'ancienne page. Attends. L'ancienne page, elle est rouge. Voilà. Faut que je baisse encore ça. Oui. Faut que je baisse encore. Voilà. Faut que je baisse encore comme ça. Ok. Donc, il faut qu'on soit stratégique. La lecture de la carte, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit hier, je vous l'ai dit avant-hier, Ahmed Kamé, c'est la tour de contrôle de la toile camerounaise. Là où ils ne veulent pas vous dire les vérités, je vais vous dire les vérités. Amo s'est précipité sur l'alliance avec Flo pour qu'on commence encore à l'inviter dans les soirées. On n'invitait plus Amo de nulle part. Et quand tu invitais Amo de quelque part, tu payais, tu l'offrais les choses. Parce que Amo était déjà que Messan commençait déjà à coiffer tout. Étant donné que Amo et Messan, c'est la même, c'est-à-dire que c'est la même pièce. Sauf que Amo s'efface. Parce que Amo, au moins, les moyens que Messan n'a pas. Amo jalouse la vie. Mais ça jalouse la vie qu'Amout a. Mais la différence entre Amout et Messan, c'est que Amout dit que non, il prend l'argent là. Amout lui dit qu'il est féman. Mais Messan manque, il est banquier. Amout présente les immeubles, Messan présente les clés des voitures. C'est-à-dire que dans ce domaine d'abord, où on va parler de crédibilité, les deux ont des défauts. Maintenant, quel est le rôle de Mbappa? Mbappa, son rôle, c'est d'attaquer Compressor et Glutapos à tous les niveaux. À tous les niveaux. On entre dans la deuxième phase. On appelle ça sport congo-satique. Nous sommes dans le Congo ça et on remet encore. On se remet encore. On continue encore. Cette fois-ci, on va faire une série de 10 encore. Dernière série de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Dans une réunion interne, qu'est-ce qui ne nous dit pas que Messan a fait les mêmes réunions internes avec Mbappa, Lolo, Mbiaye, Rêve Mbiaye, Rêve Connery là. Lolo, Rêve Connery et toutes les autres personnes qui détestent aussi. Compresseur, Glutabus et l'autre. C'est-à-dire que vous allez voir que ma salité alias par mes sangs, ma salité alias ma morpion, alias ma pute, sont en train de vouloir gérer. Non. Je ne veux pas combattre Nganou. Vous faites quoi, mon frère? Nous tape les gens pour vivre. Moi, je parle des gens pour vivre. Chacun a son domaine. Moi, je parle des gens pour vivre. Nous tape les gens pour vivre. Chacun fait son job. Bon. Là, je viens de faire la série. On partage en même temps. Là, je viens de faire la série de 10. Maintenant, je sors dans les séries de 10. On entre dans les séries de 25-25. Ok, la famille. Après, la fin, on appelle ça Kumbusa Sport Matinal. Mais là. On repart maintenant. On prend maintenant les séries de 25. Ok, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
reste une série de 25. Une fois qu'on fait les séries de 25, on passe aux séries de 30-30. Non, on va augmenter un petit peu. 40. Chaque fois, on met 10. Donc là, on a fait une série de 25. Là, on va maintenant passer encore une série de 25. Et après, on passe aux séries de 40-40. Bon, l'objectif de Mbappé, pourquoi? C'est quoi? Mbappé veut concilier Messang et Amout. Mais le problème, c'est que Amout ne veut pas jouer cette histoire. Parce qu'Amout est sûr d'une chose. C'est que Messang peut le guider au poison à tout moment. Parce que le cancer de Messang, c'est Amout. Parce que Mbappé, Mbamopion, tout ceci est en train de regarder où est-ce que je veux beaucoup manger. Est-ce que c'est dangereux de manger chez Amout ou bien de manger chez Messang? C'est ce qui intéresse Mbappé parce que elle a entendu que la monétisation paye. Sauf que la monétisation de Mbappé ne décolle pas. Mbappé, c'est pas comme ça que la monétisation marche. Je vais t'expliquer comment la monétisation marche pour que tu comprennes beaucoup de choses. La monétisation est un permis à point. Tes vidéos ne sont prises en considération que si la valeur de ton contenu est élevée entre le moins 5 et le plus 5. Voilà pourquoi, quand tu as des bonnes vidéos, c'est ce qu'on appelle la création de contenu, quand tu as des bons likes qui sont partagés, pas par une seule communauté, mais par plusieurs communautés différentes, la valeur de ton live prend des bonus. Voilà pourquoi, à un moment donné, sur l'autre page d'Amer Kamer, je parle de l'Afrique en général, c'est une page qui est beaucoup plus cotée. Sur cette page-ci, je parle uniquement des choses du Cameroun, je mets un peu de Congo ça. Voilà pourquoi cette page, elle est sous-cotée. Quand une page est sous-cotée, qu'est-ce qui se passe? Tu ne seras pas rémunéré en vidéo, tu ne seras pas rémunéré en live, tu seras uniquement rémunéré en étoile. Simple comme bonjour. Donc, Mbappé, si tu voulais, comme on dit dans le jargon, te faire un chemin dans le milieu du blog, essaie un peu de lire. Ouvre un peu ton cerveau. Parce que si tu es entouré d'Amout et de Messang, en pensant que tu vas faire quelque chose, je te rappelle que quand tu rassembles le QI intellectuel d'Amout et de Messang, tu as un QI de poisson rouge. Que ça soit Messang, que ça soit Amout, ils ont des QI intellectuels de poisson rouge. Ça dit que tu n'auras nulle part avec ces deux. Lui, Amout est encore moins courageux. Amout n'a jamais dit qu'il est intelligent. On l'accorde. Amout n'a jamais dit qu'il est intelligent. Amout a dit, je viens chercher l'argent. Ça fait, voilà pourquoi Amout, c'est le cancer de Messang. Messang qui lui a dit que non, il est intelligent. Je pense que si on parle des blogueurs les plus bêtes sur la toile, c'est Messang. Parce qu'il a toujours envié le mariage d'Amout. Toujours. Depuis qu'Amout est passé sur TF1, Messang est devenu bête. Depuis qu'Amout fait les baptêmes de ses enfants dans les hôtels, il tourne, il voit le niveau de vie d'Amout, mais ça peut devenir fou. Au point où même l'anniversaire de Messang, il fait tout pour comparer à Amout. Nous avons des dignes, nous avons des gens qui ont décidé de ça. Voilà. La femme d'Amout a créé son groupe de filles. La femme de Messang a créé les mamounes. Messang a condamné à vivre sous l'ombre d'Amout. Mais c'est pas parce que je le dis que je tolère l'une des deux. Non, non. Je suis véridique. Amer Kamer, c'est... Voilà, on passe à la deuxième phase des 25. On a fait une première phase tout à l'heure. On repart à la deuxième phase. On allume encore 25. Allez, let's go. On se concentre. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est la deuxième phase. Ne nous trompons pas. Aujourd'hui, on voit deux diasporas se diviser complètement. Nous avons une diaspora qui est composée des blogueuses qui ont décidé de se mettre vraiment dans l'entrepreneuriat. Et nous avons de l'autre côté des vendeuses de rêves de la prostitution et de toute la merde qu'il faut emmener par ma pute, par mon pion, ma saleté. Bon, de l'autre côté, dans le game camerounais, on a des blogueurs qui ne savent pas si elles peuvent être des waka ou bien c'est entre dans l'investissement. Donc nous savons les femmes comme les Lolo qui sont encore au milieu. Parce que Lolo, elle est au milieu, elle se demande si elle va continuer dans la pimenterie, si elle va continuer dans quelque chose de positif. Nous avons Biaï,
Elle, quand il dit rêve, rêve saluté. Nous avons rêve saluté qui veut sa visibilité, tout comme sa sœur, derrière compresseur. De l'autre côté, il y a quelque chose qu'on ne veut pas. De l'autre côté, Renker, Fleur de Lille, veut entrer dans le Congo ça parce que il faut seulement qu'elle trouve la faille qui lui permette d'entrer dans le Congo ça. Parce qu'actuellement, il ne faut pas qu'on se dise, Fleur est en perte de vue sur tous les niveaux. Elle a décidé de sortir dans le Congo ça, mais si Fleur a le sort dans le Congo ça, qu'est-ce qui se passe? Les abeilles iront chez les Lolomania et comme toute la plupart des abeilles sont allées chez compresseur. Mais il y a un facteur, un élément nuisible qui entre en jeu. C'est là où on trouve maintenant la scarabée. Ah oui. La scarabée, c'est quoi? La scarabée, c'est avec Oshida, qui a pris la quatrième position des blogueuses les plus vues. C'est-à-dire que, après Marlène, Compresseur, Lolo, c'est Oshida qui suit. Et après, on finit avec Fleur. Donc, actuellement, Fleur est la cinquième blogueuse. Donc, ça veut dire que quoi? Si Fleur n'entre pas dans le Congo, ça, elle va s'éteindre. C'est le Congo ça qui a fait la force de Fleur. Ce sont les insultes qui ont fait la force de Fleur et non la création de contenu. Ça veut dire que les abeilles sont d'abord les clasheuses hors pair. On enlève le clash aux abeilles, la ruche meurt. Donc, le conseil que je vais te donner, Fleur, en tant que technicien, en tant que tacticien du Congo ça camerounais, en tant que le maître, le king, je te dis ce que les gens ne veulent pas te dire en face, Fleur. Tu sors du Congo ça, tu meurs. Je te le dis un peu en toute sincérité. Tu sors du Congo ça, tu meurs. La seule personne qui nuisa ton image, c'était Amouch. Tu as réussi à écarter Amouch. Le pouvoir, ça s'arrache. Ça ne se donne pas. Nous ne sommes pas obligés d'être des amis dans les réseaux sociaux. On n'est pas obligé d'être des amis sur la toile camerounaise. Qui vous a dit que la paix est nécessaire? Non. La paix n'est pas nécessaire. Mais le respect est obligatoire. Je vous disais et je vous démontre comment fonctionne la toile camerounaise à l'heure actuelle. C'est le king qui parle. Chez les hommes, quand je regarde derrière moi, ils sont loin derrière. Ils n'ont pas les couilles, ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas le charisme. Je suis le seul blogueur qui joue dans tous les terrains. L'autre jour, Antoine Bachot, on va parler de toi, Antoine, mais je vais te prendre en deux minutes, Antoine Bachot. Antoine Bachot, je ne peux pas te considérer comme un blogueur parce que tu n'as pas les couilles. Je ne peux pas te considérer comme un blogueur, Antoine Bachot, tout simplement parce que tu es l'un des seuls blogueurs à avoir, tu es le seul blogueur à commenter avec une gars qui a gnasse avec tout Paname. Ça veut dire que, Antoine, parce que je ne sais pas, j'espère quand même que tu as fait tes tests, tu as fait des résultats. Parce que quand on m'a dit que tu es sorti avec Mbappé, Mbamopio, ceci, je me suis dit, avec ton petit mbite que tu as là, Antoine, parce que tu as fait comment? Tu faisais avec la bouche, avec la tête, tu faisais avec quoi? Non, bâche! Mayan, tu sais que je t'apprécie. Le Bacho, Premier ministre, je t'apprécie. J'aime tes contenus. Bacho, j'aime tes contenus, pourquoi? J'aime tes contenus, Antoine Bacho, tout simplement parce que ton niveau intellectuel ne te permet pas d'avoir l'esprit créatif. C'est pour ça que tu es en train de chier, en train de manger ce que nous on chie. Il faut que moi je chie pour que toi, Antoine Bacho, tu puisses manger. Voilà pourquoi je ne peux pas te tenir rigueur, parce que voilà pourquoi j'ai beaucoup d'amour pour toi. Parce qu'il faut respecter celui qui mange ta mère. Parce que quand tu regardes ce qui chie, ce que tu chies, tu regardes ce que tu as mangé, ce que tu chies, ce qui va, tu dis, oh, franchement. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'entre la création de tes contenus, Antoine Bacho et la femme avec qui tu sortais, c'est la même chose. Mbapu Mbawaka ressemble à la création de tes contenus. Ça veut dire que pas de créativité, pas d'expérience, pas de rien. C'est pour ça que tu es obligé de faire le colmatage. En gros, tu es ce qu'on appelle les enfants de Steve Fa. Le jour où tout le monde a réussi à faire des collages de vidéos, Steve Fa a chuté. C'est ça la vérité. Bacho, la dernière fois quand j'ai cité les blogueurs, je ne t'ai pas cité, mais non, c'est, je ne t'avais pas cité pourquoi? Pour deux raisons. Dans le cash, tu n'y es pas. Dans la création de contenu, tu n'y es pas. Dans les lives, tu n'y es pas non plus. Mais quand on regarde dans les chiottes, dans les WC, dans le bindo, c'est là où on va te trouver, Bacho. Parce que tu es seulement bon dans le bindo. Il faut qu'Amère chie pour que tu puisses exister. Il faut que Fleur chie pour que tu puisses exister, Antoine Bacho. Même de alcoolique, même d'un Grémont est devant toi. Parce que si
La veuve alcoolique de son état, avec son QI de poisson rouge, est capable d'avoir une création de contenu dans le Njapa. Antoine Bachot, t'as même pas les couilles de faire un live. Tu vas parler comment tu bégayes. Tu n'as, franchement, non, beauté sans touche là-bas. Antoine Bachot, c'est juste un petit, non, je te donne juste un petit, non, ne t'énerve pas Antoine Bachot, c'est juste la réalité. C'est la réalité Antoine Bachot. T'as aucune création de contenu. Même un concept qu'on va dire que non, Antoine Bachot, non. Tu prends les couleurs, il faut que Messan chie, il faut qu'Amout chie, il faut qu'Amer chie, il faut qu'on chie pour que toi tu puisses exister, Bachot. Voilà pourquoi je te prends pas comme un blogueur, je te prends comme ce qu'on appelle une merde, un non raté, hein. C'est pas moi, quelque chose de... Oh, oh, ah. Boah, un vomi si tu veux savoir. Bachot, bon là maintenant, on va entamer la phase de 50. Là on a fait la phase de 10. On a fait la phase de 25. Non, on va pas, non, pas la phase de 5. Oui, bon, pas la 50 aussi. Bon, non, on va attaquer la phase de 50. Ok, let's go. On fait 50 pour on va en live. Voilà, c'est parti. Voilà. On reparle, le temps de ressaisir, le temps que vous partagez. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Première vague de 50. C'est bon. On relaxe, on se détend. On se détend. On fait la mise à jour de la toile camerounaise. C'est bon ça, mère. Donc, Bachot, ne le prends pas mal. Il est mon gros, il manque. Tout ça, c'est 2 ou 3 balles perdues. Tu vois un peu, tu es mon pote. C'est pas parce que je dis ça de toi que voilà. Accepte 2 ou 3 balles perdues. Oui, c'est le king qui parle. C'est le phénomène. Accepte 2 ou 3 balles perdues. Mais ne me tiens pas à rigueur. Si c'est pour les plaintes, tu peux porter plainte, faut demander à Amout. Va te dire que mon corps, là, ça se mange difficilement. Parce que mes belles relations, j'ai les relations. Faut demander à Amout, tu vas te dire que j'ai les relations. Voilà. Amout, demande à Amout, c'est lui qui marche avec les policiers corrompus du 7. Hein, Nino? Big up à toi. Donc voilà. Nino, ce sont les amis d'Amout, les policiers corrompus du CEP. Bon, on continue. Donc, il faut bien que tu donnes la visibilité. En passant, Antoine Bachot, tu es un frère, c'est pour ça que je prononce ton nom. Quand je parle de toi, comme je viens parler de toi, là, tu vas prendre l'engrais, les gens vont te connaître. Mais sinon, dans le game camerounais, t'es pas connu. Voilà pourquoi je te prononce. Donc, tu dois dire merci à Mère Camère. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que Messan et Amout, c'est une seule pièce avec 2 faces. Là où je respecte Amout, c'est que les 2 sont lâches. Amout est lâche, Messan est lâche. Mais là où je respecte Amout, Amout n'a jamais dit qu'il est intelligent. Amout n'a jamais dit qu'il a fait les longues études. Amout a dit, je viens chercher mon argent, je pars. Là où je respecte encore Amout, c'est un bossailleur. Malgré les différends que j'ai avec Amout, je pose le respect sur lui. Sans oublier qu'il est lâche. Mais là où Messan fait une grosse erreur, c'est que Messan, lui, en plus de qu'il est lâche, il est méchant. Amout n'est pas méchant. Je vous le dis. Amout n'est pas méchant. Pourquoi je vous dis qu'Amout n'est pas méchant? Je marche avec quelqu'un qu'Amout considère comme son petit frère. Le Minasso Edgar. Si Amout voulait me faire du mal, il allait endoctriner Edgar Minasso avec qui je marche tous les jours. Il allait dire à Amout, il allait dire à Edgar que pardon, fais-moi du mal à Mère Camela, s'il te plaît. Ça fait 3 ans et demi. Bon, c'est vrai que j'ai commencé à clasher. Je ne clash, ce que je fais même, c'est même pas un clash. Je n'insiste même pas à moi. Amout pouvait dire à Edgar que fais quelque chose à Mère Camère. Amout pouvait lui dire.
Si c'était mes sœurs à la place d'un modèle, que je marchais avec un petit frère de mes sœurs, c'est qu'à leur argent, on va y enterrer. Parce que si un modèle, si mes sœurs a eu le courage d'aller dire à la baisse avec eux, finalement, mais ta mère, à baisse avec qui se trouve au Maroc, imaginez-vous ce que mes sœurs étaient capables de faire si Edgar Mina c'était son petit frère. Imaginez-vous ce que Messan était capable de faire si Edgar Minasso était son petit frère. Messan allait pleurer chez Guylaine Chapuis. Amen, 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 amen. Mais Guylaine fait quelque chose, Guylaine. Guylaine fait quelque chose, Amen, amen, me fatigue. La différence entre Amot et Messan, ce qui reste à Messan, c'est la jupe et les boucles d'oreilles. Amot n'est pas encore au niveau là. Ben oui, le problème d'Amo, c'est qu'il a perdu sa visibilité. C'est qu'il a perdu sa visibilité. Amo lui bagarre pour qu'on commence encore à l'inviter dans les soirées. Mais la vérité, si on doit comparer entre Amo et Messam, Messam c'est la diarrhée. Tout simplement pourquoi? Pour deux raisons. Amota a fait ce que personne n'a fait dans la diaspora, passé sur TF1, dans une chaîne de télévision publique pour un mariage. Amota a relevé l'image de l'Afrique. Même quand on ne savait pas ce que c'est, rien que pour ça, il lui dit le tchaka. Rien que pour l'histoire de quand Amota est passé à la télé, je lui donne le tchaka à la communauté camerounaise. Le rêve de mes sangs, c'est de passer de faire la même chose. Le rêve de mes sangs. Oh, il faut me faloter comme on a faloté à l'anniversaire d'Amota. Mon frère, vous parlez même de quoi? Comme on a vu Kofi au mariage, à l'anniversaire de mariage, mais ça pouvait mourir, mais ça a eu 3 AVC. Bon, on reprend encore. On a fait une première série de 50. On reprend encore une deuxième série de 50 pompes encore. Là, maintenant, on va prendre des séries de 50-50. Ok, let's go now. Maintenant, parce que quand je compte avec la bouche, je perds beaucoup à l'énergie. Parce que quand même, ce sont des séries de 50 pompes. Maintenant, on partage en même temps. On partage, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. On partage en même temps. Bon, je reprends encore, on reprend, maintenant on fait une série de 50 encore. On fait une autre série de 50. Là déjà, on attaque la deuxième série de 50. Let's go la famille, allez, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Oh là là. Oh là 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 là. Maman. Quand on entre dans mon lave, c'est pourri. Détente. Non, arrêtez de dire que non, amen. Non, arrêtez. Je me base sur des faits réels. Arrêtez tout le temps de dire que oui, amen, tu as besoin de tirer sur mes sangs. On tire sur quelqu'un quand c'est pas la vérité. Quand c'est la vérité, on ne tire pas sur quelqu'un. Parlons peu, parlons vrai. Vous parlez de quoi? La femme de Messa a créé, la femme d'Amout a créé son groupe de femmes, on appelle encore ça comment? La femme de Messa a créé les mamounes. Mais ça allait faire son anniversaire là, dans les poches de Gluta Boss. Parce que Amoto aussi fait son anniversaire du mariage où il a invité les Kofcholomide, les Lady Prince et consorts. Vous parlez même de quoi? Donc venez dire ça, ça veut dire que je suis en train de mentir, je suis en train de salir. Mais ce que vous n'aimez pas dans cette diaspora, je vous ai toujours dit ça. Personne n'a le pouvoir véridique que j'ai. Et les pieds, vous n'oubliez pas les étoiles en passant. Parce que quand il fait les abdos comme ça là. Quand il fait les pompes comme ça, il faut motiver quand même avec les abdos. Vous savez qu'en prison, il n'y a pas les étoiles, non. Donc, je n'ai pas ma poids d'étoiles maintenant, il mange. Voilà. Les étoiles, la famille, les étoiles. Mettez-moi même 5000 étoiles, là. Normalement, les pompes, là, ils souffrent. Sans te mentir, les pompes, ils souffrent. Surtout quand tu vas y aller série de 50-50. Quand tu vas y aller série de 50-50, les pompes, ils souffrent. Ouais. C'est ça. Ouais, bon, attends, j'ai deux secondes. J'ai mon ami français pour lui.
Parce que il ne faut pas que j'oublie. Attends, je te fais ça directement, comme ça, je te bip directement, comme ça, une fois que le live est fini là. Parce que c'est déjà encore là que non. Je vais t'appeler, je vais oublier. Je te bip directement en. Dis-moi, appelle-moi en vrai sur le deuxième numéro WhatsApp, s'il te plaît. Non, ça ne me pas là. Parce que si j'ai encore que je vais l'appeler, je vais encore oublier. Parce que. Attendez d'avoir 2 secondes. Voilà. Attends, ça. Faut que je t'appelle en vrai. Attends. Appelle en vrai. Pas par WhatsApp. Avec le numéro qui finit par 35. Avec le numéro qui finit par 35. Avec le numéro qui finit par 35. Mais appelle en normal. En normal. Voilà. Ok. Je ne t'aide pas avec. Non, je ne t'aide pas. Appelle à normal, à normal. Oui, je ne t'aide pas avec à normal. Ok. Là, je ne t'aide pas avec à normal. Quand le live est fini seulement, pardon. Quand le live est fini seulement, pardon. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai vu. C'est bon. Ok. Bon, je disais donc ceci. Il ne faut pas qu'on se trompe sur la toile. Ils veulent la visibilité. Ils veulent la visibilité. Quand on regarde Messan, le cancer, c'est que celui qui coupe le sommet à Messan, ça monte. Le rôle de l'autre maintenant, le rôle de Mbappa, Mbappé, c'est que Messan envoie Mbappa aller négocier d'abord, aller créer d'abord. Une forme de paix avec Amoud et tous ceux qui combattent compétition. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on a deux éléments. On a la reine Mère Bio, on a Patricia Mel, qui ont refusé d'enlever leur cerveau, qui ont gardé leur cerveau. Étant donné que Lolo Mbappa rêve s'arrêter, n'arrive pas à corrompre Patricia et Renéjo pour attaquer Compressor au profit de M. Sall. Voilà là où le Ndjambou a fort pop. Voilà où le Katika a brûlé la carte au dégagement. Oui! Là où Messan voulait collater avec la carte qu'il a brûlée hier. On a dit que non, ça ne passe pas, mon frère. On a joué le tchaka, tu n'as pas joué le tchaka. Tu es encouragé le tchaka en finale, pourquoi? Bon, tu as brûlé la carte, on t'a mis là-bas. Voilà du sacal. Le tchaka, c'est la reine Mère Bio et Patricia Mel. Voilà où le démon fond dans le Ndjambou. Maintenant, de l'autre côté, on se retourne automatiquement pour voir si avec Amoud, on peut utiliser Amoud pour attaquer Bruta Boss et Compressor. C'est là où le film se pose. Maintenant alors, Front ne peut pas faire les rôles d'entrer en clash. Parce que le rêve des abeilles, c'est qu'on puisse clasher Compressor. Mais ils oublient une chose, c'est que si les abeilles clashent Compressor, la ruche tombe dans l'eau. Ah oui, 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 oui. Parce qu'ils ont oublié quelque chose. Le premier lieutenant de guerre de Flore de l'île, c'est Compressor. Ah oui. Ce que les abeilles ont oublié, c'est que tant que Compressor est là, personne ne peut attaquer Flore. Vous avez oublié ça depuis. Parce que Compressor, la TKC est toujours là. Mais les abeilles, la bordelerie des abeilles entre la veuve Clito, Mba Bordel et Lolo.
Les abeilles sont éparpillées, mais les abeilles fidèles sont restées chez Compressor. Parce qu'ils savent l'intérêt. Ils savent que c'est grâce à Compressor que Flore peut parler fort dans les réseaux sociaux. Parce qu'elle a la protection de la TKC. Aujourd'hui, Flore ne fait même plus confiance aux abeilles, mais elle fait confiance à la TKC. Ça vous fait mal de dire cette vérité-là. La preuve. On va parler simple. Soyons vrais. Pourquoi Flore n'est pas venu chez Blue Tabos? Question simple. Pourquoi Flore n'est pas venu chez Blue Tabos? Elle pourrait bien venir. Pourquoi elle n'est pas venue? Ce n'est pas parce qu'ils sont amis que vous allez penser que la réussite de Compressor va faire plaisir à Flore. Vice versa, non. Ils sont amis, mais le trône là, on arrache le trône. Ils sont partenaires. Les avantages de Flore ne sont pas les avantages de Compressor. Mais leur alliance permet de tenir. Permet de tenir. Ils savent que leur alliance là, si ça crame, les bénéficiaires dedans, ça va monter mes sangs. Parce que si l'alliance de Compressor et de Flore crame, le premier bénéficiaire de ça, c'est Amout. Le deuxième bénéficiaire, c'est mes sangs. Parce que la toile du Congo, ça est tenue par Amout, par Flore et par Compressor. Vous n'avez pas compris quoi? Parlons, bombarder les étoiles là-bas, vous êtes même comment? On parle, vous ne bombardez pas les étoiles. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on repart une autre série de 50. Ok, let's go. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah. Voilà. Il n'y a pas les étoiles. Vous savez même comment. Dis-les. Les abeilles, là, je suis quand même l'ancien chaud de votre laine, hein. Faut envoyer les abeilles. Faut envoyer les étoiles. La TK, c'est là. Voilà. On tapote, on partage. Depuis que le problème a commencé, tu as entendu la voix de Lolo. Laisse ça dire donc. Tu penses que Rêve fait le travail de qui? Tu penses que quand Rêve insulte, tu penses que Rêve, vous faut arrêter d'être l'hypocrisie là. Vous pensez que Rêve travaille pour qui? Vous pensez que Rêve travaille pour qui? Vous pensez qu'ils sont là pourquoi? Au juste. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le clash? Lolo est dans le clash. Vous pensez que Mbappa travaille pour qui? Vous pensez que Ndiaye travaille pour qui? Rêve Saleté travaille pour qui? Rêve Saleté, Mbappa travaille pour Lolo. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Dans une histoire de vous, dans une bagarre, celui qui ne parle pas dans la bagarre, c'est lui qui a organisé la bagarre. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Quand ils étaient dans les bois, ça va, qui ne parlait pas, c'est Lolo. Qu'est-ce que Lolo a parlé avec Amout? Qu'est-ce que Mbappé a parlé avec? Vous pensez de quoi? On a pris Amout dans le Pungamé pour pouvoir rapprocher Amout de Messang. Pour pouvoir attaquer la cible qui est Blue Tabos. Vous parlez de quoi? On vous a dit que l'expansion des produits de Blue Tabos au Canada, là, ça fait plaisir à qui? Mais je vous mets au défi. Proposer qu'on a... Vous voulez savoir? Je vais vous poser une question. L'argent, c'est la seule personne qui ne connaît pas le frère. Vous pensez que ça fait plaisir aux uns aux autres par rapport à ce contrat-là? Demandez à Brut de proposer le contrat à Flore si elle va refuser. Demandez à Brut de proposer le contrat à Flore si Flore va refuser.
Macaque, ma plan. Normalement, si les abeilles étaient intelligentes, les abeilles devaient envahir Gluta pour dire à Gluta que donne aussi notre part de contrat, on vend les produits. Voilà, les mêmes bio qui vend ça, nous va compresseur qui vend, non. Est-ce qu'on a dit que l'on-cap de compresseur ne fait pas l'on-cap de flore? Moi, ma plan, c'est l'on-cap, on est là pour l'on-cap. Ben oui. Voilà pourquoi il dit que flore a fuck up. Flore a fuck up à quel niveau? Flore a fuck up à partir du moment où elle n'est pas venue. À partir du moment où flore n'est pas venue, autour de Gluta Boss, elle a fuck up complètement. Complètement. Dans le bloc, si on ne parle pas de toi, tu n'existes pas. Et le jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Compresseur, Rainmer Bio, Gluta Boss. Aujourd'hui même, en matière de visibilité, Gluta Boss est passé devant Messam. A été retourné autour du pot. En matière de visibilité, Gluta Boss est passé devant Messam. Voilà. On regarde seulement au nombre de partages. Gluta Boss, 25 partages, 300 personnes en ligne. Messam, 850 partages, 900 personnes en ligne. On regarde le ratio. Gluta Boss est plus visible que Messam, 3 fois et demi. Notre job, c'est de calculer la rentabilité, la visibilité, de calculer les trucs de beaucoup de personnes. La personne qui gagne actuellement, c'est qui? C'est Compresseur. Elle gagne sur tous les plans. Regardez ce qui se passe. Compresseur, c'est vrai, n'a pas été à l'école, mais Compresseur est très rusé. Aujourd'hui, Patricia Mel fait Gluta Boss. Mishcom fait Gluta Boss. Renmer fait Gluta Boss. Dans bientôt, Oshigaro aussi fait Gluta Boss. Moi, je ne suis pas une femme. D'avoir dit que quoi? Si tout le monde se fait faire Gluta Boss, qu'est-ce qui va se passer? Les gros perdants de l'histoire de Gluta Boss, ça sera qui? Les abeilles. Tout simplement. Les grosses perdants, c'est celles qui? Les lolomaniens. Pourquoi? Parce que les lolomaniens et les abeilles sont allés chercher les problèmes et non chercher l'argent. Bon, ma cacu, ma plan. À l'heure où je te parle, si Amot lance un produit, il me dit, Amel, Kamel, viens. On parle business. Il dit, Amot, tu te trouves de quel côté? J'arrive. Tu es où? Attends-moi, c'est vrai, j'arrive, Amot. C'est comme on a fait les gens. Je prends l'argent, je fais la promotion d'Amot. Mon frère, l'argent prime toujours devant le Congo, ça. Là où les abeilles et les lolomaniens ont raté, la reine mère Dieu et compresseur et Patricia Messeson, ils mangeaient l'argent. Ma cacu, ma plan. Il lance le cacu, il lance le plan. Ok. On est déjà à 2 séries de 50. On va encore lancer une autre série de 50. Oui, on est en train de faire Kongosa Abdo. Va tourner. Ouais, il dit quoi encore? Maman, tu ne fais pas avec Gluta. Mais c'est qu'est-ce que tu es là en train de parler de Gluta? Ça veut dire déjà que tu sais qui est Gluta. Maman, pourquoi tu es bête comme ça là? Tu es bête, et jusqu'à ce que tu t'appelles qui? Naomi la Cribienne. Tu es la soeur jumelle de l'étoile Cribienne. Non, le bloc, quoi. Tu sais que, laisse. C'est quand même mon ange. J'étais quand même la manque de sa. J'étais quand même la manque de sa patronne, hein. Va demander à l'étoile Cribienne pourquoi elle discute encore de 53 cm. Va demander à l'étoile Cribienne. Tu penses que le mari de l'étoile Cribienne peut faire les abdos comme moi? Hein, Naomi la Cribienne. Tu penses que quand tu vois les bras là, que je suis sur l'étoile qui vient comme ça, il dit que c'est qui le boss. Amercez-toi. Non, oui. Amercez-toi, 53 cm, je ne me parle pas. Quand les filles là voient comment Amercez-toi, demandez au mari de faire les pompes. Demandez à Moto, à mes sangs de faire les pompes. Quelque part, va pas voir laver sa ligne ici là. Ok, on ne parle encore une autre série de 50. Parler, c'est l'étoile Cribienne qui t'a envoyé. Demande à l'étoile Cribienne les caresses. Quand tu as le corps, si tu as les plaquettes, demande à Amou de faire 10 pompes. Va s'étaler au sol. Demande à Messan de faire seulement 5. Va s'étaler au sol.
Demande alors au Djukambino, le morgue alors c'est la mort. Lui alors, et dit, ils vont faire quoi, mec, amen. Amen, amen, trop en avance. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Là où je suis, si Amoud m'appelle pour me dire que fais la publicité, je pars. Amoud, je t'envoie un message. C'est pas parce qu'on a des problèmes, hein. Mais si tu as un business de promotion, appelle-moi, je vais faire la publicité. Ne pense pas que parce que je suis visible que toi maintenant plus de 1000 fois. Donc là. Si tu as un business, si tu as une soirée que tu veux promouvoir, tu m'appelles, tu donnes mon cachet, je fais ta soirée, je fais la promotion de ta soirée à Mout. Donc, ne confondons pas. On a seulement les petits problèmes là. Mais sinon, si on parle d'argent, n'hésite pas à m'appeler. Tu as compris, non? Mais Amoud, je vais aussi te dire quelque chose. Amoud, respecte-toi. Respecte-toi. Vous ne savez pas où tu as ramassé le titre de président. Amoud, quand même, tu as fait les blancs en vue. On dit qu'il n'y a pas le respect chez toi. Amoud, tu as fait les blancs en vue. Amoud, comment tu peux te retrouver? Ouais, Amoud. Amoud! Amoud, comment tu peux te retrouver dans une conférence avec les Mbapute? Amoud! Laisse sa femme gérer ça. Respecte ton nom. Tu commences à être le médecin. On a l'impression que vous avez la même famille. Tu vois, être le médecin. Jusqu'à on t'enregistre. Amoud, jusqu'à on t'enregistre. Ça ne t'a pas fait bizarre, Amoud? Ouais! Est-ce que tu ne sais pas que quand on ne parlait pas de toi-même, tu étais même plus crédible quand on parlait de toi? Appelle Flo, fais un petit live seulement comme ça. Tu parles que oui, je vais les débloquer tous. Tu attendais seulement ça. Amoud, mets le respect sur ton nom. Amoud, je ne peux pas te détester. N'oublie jamais ça. Mais, étant donné que je suis le king de la toile camerounaise, étant donné que je suis le boss, étant donné que je suis le boss de la toile camerounaise, Amoud, je dois te parler comme un homme. Madonna, hein? Que ça soit la dernière fois. Mbappa, qui est comme ça avec Messa. Amoud, tu fais quoi avec elle? Amoud, tu fais quoi avec ma pute? Ma désespérée. Les gars qui sont venus vendre le piment chez moi. Le piment de 30 euros. Les gars qui vont. Hey, Amoud, hey, Amoud, Naya. Madonna, Akarwana, habite ton nom, Amoud. Tu veux qu'on t'appelle président? Mais il y a ton nom dans les enregistrements. Quand il y a un cas comme ça, Amoud, mets le haut-parleur à côté, tu laisses ta femme parler. Si tu as envie de dire quelque chose, tu chuchotes à ta femme à l'oreille, ta femme parle. Amoud, un président ne parle pas avec les femmes. Wawo. Non, Niki. Amoud, un président ne parle pas avec les femmes. Tu laisses Jaguar gérer ça avec elle. La dernière fois que tu es entré dans un problème de femme, je suis tombé sur toi. Il faut dire ça aux gens. Que Amir Kamer est tombé sur moi dans le problème de Flore parce que j'ai intervenu. Tu avais raison, c'est ta femme. Mais Amoud, dans un petit problème de sang, car ils sont des bordels. Qui marche avec quelqu'un qui te déteste, quelqu'un qui veut ta mort. Amoud, à un moment donné, réfléchis. Mais ça veut ta tête à tous les prix. Et sa soeur Mbappa, Mba bordel, Mba waka, Mba morpion. Elle est derrière toi. Et ça te fait. Tu fais ça comment, Amoud? Oh, Jaguar. Oh, Amoud. Tu fais ça comment? Laisse Jaguar gérer ça. Laisse. Ça t'a coûté quoi? Je vais te dire. Amoud, tu sais ce que ça t'a coûté? Tu sais ce que ça t'a coûté, Amoud? Ça a coûté la chute de ta visibilité dans les réseaux sociaux. J'espère que l'histoire de la tontine ne t'a pas servi de leçon. Ne t'as pas servi. Regarde, Amoud, regarde comment. Si tu veux un coach personnel, Amoud, donne-moi même 2000 euros. Je te coach personnellement dans les réseaux sociaux. Tu commences les voies de. Attends, je vais te montrer quelque chose. Tu commences les voies de Messan. Messan, on attrape ses voix partout. Messan a tellement les voix dans les réseaux sociaux que, à un moment donné, on se demande même que. Attends un peu. Ouais, ah ouais, c'est sur le téléphone. Ouais, t'es.
Ouais, c'est sur le vol, c'est sur le téléphone. Ouais, Bipé, on peut compris ça. Je jouais les voix de mes sangs l'autre jour. Bipé, on peut demander à Compressor. Compressor, si tu es dans le live, envoie-moi le voice de mes sangs sur l'autre téléphone. Non, à un moment donné, à un moment, fais-toi respecter. Demandez à Compressor, pardon, il faut l'appeler, vous savez qu'elle ne sait pas lire. Compressor, je te fais le langage des signes. Oui. On dit que tu ne sais pas lire, non. Mais ça m'avait insisté quand il te tournait au contrat. Mais ça m'avait insisté. Mais les étoiles sont où? Les étoiles sont où? Comment ça, il laisse Compressor comme ça? Est-ce que c'est lié à l'eau? Est-ce que c'est lié à l'eau? Okay. Compressor sort, oh, mes messages, non, elle est en ligne. Bon, répondez un peu, est-ce que Compressor en ligne? Bon, Compressor, si tu n'es pas en ligne, je t'appelle alors. Ouais, Marco. Tu es quand même ma personne. Marco. Ouais. Allô? Mais tu n'as pas les voix, le voice que tu m'as envoyé l'autre jour, il y a des gens qui parlent mal de toi sur mon live. Hein. Le voice où on disait qu'on passait la commande pour l'entreprise avec les impôts, qu'on vérifie là, non. Mais envoie-moi, oui, envoie ça sur le numéro si maman, le concours ça les choses sur Internet, maman, pardon, je suis en direct. On fait... Non, je suis sur Facebook, dans mon autre, tu vois, tu m'as Eh maman, maman, partage, maman, tu sais que quand le Congo est sucré comme ça, là, maman, on bâche seulement, on bâche seulement. Ok. Ouais, ma après on va encore dire que les hommes font le Congo, ça c'est de Wombo. Amen, le Congo, ça t'a fait quoi sur Internet? Amen, t'as pas la politique, c'est toi. Ouais, Amen, Amen, ta bouche là. La politique, oh, c'est toi. Les faits divers, oh, c'est toi. Le Congo, ça, les gars, c'est Amen, Amen, choisir quelque chose. Ce n'est pas une vie. L'entrepreneuriat, oh, c'est encore toi. Amen, Amen, choisir un travail. Quand nous table les gens pour vivre, moi je parle des gens pour vivre. Oh merci Freddy pour les étoiles. Merci. Les gars motivés pour les. Merci Freddy patient. Freddy patient. Quand on voit les étoiles, non. Et qui? Les vrais hommes travaillent pour bâtir leur vie. Les vauriens sont connectés à longueur de journée. Mais Nadine Chou, je vais te poser une question. Hein. Je suis d'accord avec toi. Quand tu penses, quand tu regardes Gala, Gala c'est le Congo, ça des Français. Paris Match, c'est le Congo, ça, les Français. Normalement, il devrait avoir une brochure marquée Amer, Kamer, Show. On fait le Congo. Tu penses que c'est quoi sur la toile juste? Vous êtes trop bêtes. Maman, les Kim Kardashian, ce sont nos flores, ce sont nos compresseurs, ce sont nos lèvres, ce sont nos. Ce que vous voyez là, c'est les Kim. Ça dit que ce que nous on fait là, c'est ce que les Blancs mettent dans les journaux. Quand tu entends Paris Match, Gala, voici, tu penses que c'est quoi? Mbout comme tout. Tu pensais que c'est quoi? Mbou. Regarde-moi comment tu es. Hé, maman, tu n'as même pas honte. Les gens sont à ramasser ça où? Ouais. Hé. Faut vous respecter. Hein? Regardez-vous-même. Regardez-vous-même. T'en aimes le volume. Malgré les bobos de chacun, on a tous des petits bobos, mais bon, on fait avec. Amo, écoute j'ai bien. des petits soucis. Voyons, j'étais. Amo, tu veux que ça te serve de leçon. Tu sais, Amo, je vais te dire quelque chose. Je ne te dis pas ce que je te dis là. C'est que je te manque. Comparativement à mes sangs, tu n'es pas mauvais. Tu n'es pas mauvais. J'ai démontré par A plus B que tu n'es pas mauvais. Le problème avec toi, Amout, c'est que tu as une femme. Si on t'a nommé président, Amout, c'est pourquoi tu ne te retrouves plus dans les histoires de femmes. Je te dis ça. En tant que ton grand frère. Parce qu'Amout, je suis ton grand frère. J'ai 50 ans et je ne pense pas que tu as 50 ans. Je ne pense pas que toi, Amout, tu as 50 ans. J'ai 50 ans. Je te parle en tant que grand frère. On ne peut pas t'appeler président et on retrouve tes voix sur dehors. Donc, ça veut dire que tu allais le montrer aux gens qu'on peut arriver à toi chez toi n'importe comment. N'importe quel bordel peut t'appeler pour discuter avec toi. Ah, monsieur, on va t'appeler.
On appelle ta femme. On appelle ta femme. Regardez les conséquences de ça, alors. Bonjour, Marion. J'espère que tu vas bien. Bonne année. Bonne année. C'est qu'on s'est parlé depuis le début de cette année. J'espère que l'année a bien commencé, malgré les bobos. De chacun, on a tous des petits bobos, mais bon, on fait avec. J'ai un petit souci, en fait, un petit souci. Marion, je ne sais pas si tu peux me regarder ce nom-ci à Nantes. Et cette société-là, s'il te plaît, si déjà elle existe à Nantes, et si ça lui appartient, parce que c'est pas ce qu'on m'a dit. Quoi. Ah, moi, tu vois les conséquences je crois la société s'appelle, je crois, Gluta Cosmétique ou alors Gluta Line, au nom de cette femme-là, Amélie Bonanda. Si tu peux trouver quelque chose. Ok, merci, Maya. Bonne journée. Bonne... Ah, moi, voilà pourquoi il ne peut pas. Parce que je suis sûr que, Amo, tout t'accompagne, pendant que tu étais au téléphone, Amo, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne veut pas te dire. Amo, pendant que tu étais au téléphone avec cette fille, il y avait un autre téléphone qui était sur haut-parleur, où mais ça écoutait tout. Waouh! Tu as compris avec quoi? Et quand tu sors, tu t'adresses à la règle, mais bio, tu mets les noms des gens que tu ne peux pas. Il faut être vrai. Amo, tu n'avais pas besoin de faire ce poste. Tes conseils te conseillent. C'est à ta femme de faire ce poste. C'est à Jaguar de dire que s'il vous plaît, mon mari n'est pas un jouet. Mon mari n'est pas un jouet. C'est à Jaguar de le faire, pas à toi. Dans un problème de femme, un homme ne se trouve pas là-bas. C'est aux femmes de faire ça. Tu m'as entendu le pont dans un bordel. C'est au Chiga qui le pont. C'est au Chiga qui le pont. Je ne vais jamais répondre à une fille. Que ça soit rêve ou bordel, que ça soit Mbappé Mopion, que ça soit Mbappé plutôt, je ne vais jamais répondre à une femme, à Maud. C'est aux femmes de répondre aux femmes. C'est aux femmes de répondre aux femmes. La dernière fois que tu as intervenu dans une histoire, ça t'a coûté quoi? On t'a interdit de toutes les soirées. C'est ce que tu veux encore? Réfléchis. Tu es devenu comme Messam. Tu es devenu comme Messam. Réfléchis. Réfléchis. Allez, on reprend encore une série. Amel Kamen, va chercher le travail, Goodman. Boum, ce que je suis en train de faire là, je suis au travail. Tu ne vois pas les étoiles qui sont en haut là. Les gars, montrez-le que je suis au travail là. On partage. Montrez-le que je suis au travail. On envoie les étoiles. Alors, n'hésitez pas à envoyer les étoiles. Voilà. On envoie les étoiles. On envoie les étoiles. Dubray, tu montres la vie des gigolos africains. Mais mon frère, chacun montre le travail qu'il fait. Attends, il rêve d'avoir le 53 cm. Tu me dis que, oh, tu montres la vie des gigolos en Mon frère, est-ce que tu as 53 cm comme moi? Tu n'as pas. Étant donné que tu n'as pas les 53 cm, va chercher le travail. Moi, on m'a béni avec ça. Moi, on m'a béni avec ça. Toutes les blogueuses que vous supportez là veulent ça. Mon frère, toi et moi n'a pas les mêmes avantages. La nature m'a gagné. Toi, la nature ne t'a pas gagné. Donc, si moi, la nature m'a gagné, et que tu es jaloux de ma garnison, je muscle les bras parce que le haut est lourd en bas. Ça te fait mal où? Hein?
Ça te fait mal où? Maman, ma chérie, et le pire, c'est que c'est toutes les femmes. Hein. Ce n'est jamais les hommes, c'est toujours les femmes. Ma chérie, tu es sûr pour discuter le regard de quelqu'un. Ouais. On va faire comment? Le ouais, là, c'est 53 cm. Maman, si tu m'aimes beaucoup, là, envoie les étoiles. La connerie d'en bas, là, mets les étoiles alors. Mets les étoiles, non. Ah, maintenant, c'est devenu que montre, on voit. Hé, 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 je savais. Ouais, Nadine. Nadine, donc, tout ça, c'était pour finir comme. Hé, 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 Ayako, attends, attends. Non, y a Nadine, veut le parler. Mon petit. Mon petit. Tu fais quoi? Regarde, regarde. À cause de toi, Nadine est en train de s'exciter là-bas devant. Mais bon, là-haut, les petits. Le pamban, Tora. Toi seul, l'étoile qui vient. Toi seul, rêve s'arrêter. Toi seul, loulou. Mon frère, choisis au moins. Mon petit. Tu ne peux pas mettre au chaud comme ça. Les docteurs, c'est toi. Oh. Les blogueurs, c'est toi. Les femmes, les ministres, c'est toi. Petit frère, qui est bon, même maman, là, petit. Faut le calmer. Voilà. Non, viens de le parler. Donc, vous êtes Florence, c'est ici que tu veux faire ta publicité. Je vais te bloquer. Vous voulez faire la publicité, vous me contactez, vous me payez. Tu viens encore faire la publicité dans mon live et je te bloque. Bloque-moi Florence là-bas, s'il te plaît. Non, c'est pas une pub. Bon, supprime, mets là. Ok. Tu préfères là-bas. On continue. Donc, vous voyez donc que la stratégie de Messam, c'est d'envoyer Mbappa pour aller dire à Amour que pardon, reviens. La stratégie de Messam, c'est d'aller dire à Mbappa que Mbappa va dire aux autres filles qui tournent, que, mais sauf que Mbappa va mourir pauvre. Mbappa va finir pauvre. Ça, comment ça va, ma Karine? Mais Karine, depuis que je fais les lives, les étoiles là, j'ai l'impression que toi tu ne connais pas les étoiles. Je ne sais pas. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui a envoyé les étoiles. Nous sommes plus de 472. Plus de 472. Voilà Jean Zobo. Laisse des gars. Jean Zobo envoie les étoiles. Non, la politique va le commencer. Tu vas commencer à chausser encore avec les gars. Il y a quelqu'un que je vais bientôt bloquer ici. C'est qui? Ne dis pas son nom. Je vais la bloquer. C'est qui? Donne-moi son nom. C'est vrai qu'il n'envoie jamais les étoiles. Mais c'est qui son nom? Donne-moi son nom, non. Laquelle Karine? Karine Fouda? Elle t'a insulté comment? Ah. Maïla, elle t'a provoqué. Si elle te provoque parce que tu vas me chercher les gros, il faut laisser. Parce que la provocation, là, moi, j'aime bien. Karine, si c'est pour me donner les gars, il n'y a pas de souci. Ne bloque pas Karine. Karine, envoie les étoiles. Mais c'est ça, elle va me dire ça à Libé, non? Qu'elle continue, je vais la pousser. Même Libé, elle va me pousser. Bon. On continue. Tu sais pas comment on fait? Tu cliques sur les étoiles, tu vois, on va ça, tu suis souvent le protocole. Oui, n'oubliez pas, le 30 mars. Le 30 mars, ça se passe du côté de Nantes. Donc, il y aura une soirée caritative. Le 30 mars, Amer Kamer sera là-bas. La femme qui chanterait sera qui? Il y aura Ruth Cotton qui sera à la soirée, assistée d'Oshigar et de Diamant Bleu alias Compressor. Voilà. Bon. Ah. Tu vois, sauf que c'est au Cameroun. Non, j'ai deux. Non, moi, je suis pas dans l'événementiel. Je suis pas dans l'événementiel. Non, j'étais dans l'événementiel avant, mais je n'y suis plus. Donc, ce que je voulais vous dire simplement, c'est que on revient dans le sujet. C'était une petite pause. Parce qu'à un moment donné, de temps en temps, il faut que je puisse bien réfléchir. À un moment donné, nous ne sommes pas obligés d'être en paix dans les réseaux sociaux. La paix n'est pas obligatoire, mais le respect l'est. Nous ne sommes pas obligés d'être en paix dans les réseaux sociaux. Il faut qu'on vous le dise. On doit vous le dire. Maman, 14 heures.
Oshi. Oui. 14h. C'est à 15h au porté. C'est toujours pareil. Oui, je vais partir. Donc, je disais dans ceci. Donc, venez massivement. Mumbe, on est allé. C'est mon gars. C'est mon gars. Et l'étoile qui vient, c'est la vie de l'étoile qui vient. Il ne faut pas qu'il y ait la cham là-bas entre l'étoile qui vient aussi là. Bon, l'étoile qui vient, Amer Kamer sera de passage en Andes. Vive le Campanile Hôtel. Le Campanile Hôtel reçoit l'étoile qui vient et Amer Kamer. Oh là 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 là. Ouais. Vous voyez, Oshida, tu m'as gâté les affaires quand même. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On va clôturer ainsi. Et après, je vais clôturer aussi sur, je vais aussi clôturer sur, TikTok. Ce que je veux simplement vous dire, en toute honnêteté, en toute sincérité, on n'est pas obligé de faire la paix dans les réseaux sociaux. La paix, ce n'est pas une obligation. Mais on est obligé d'être vigilant. On est obligé de lire la carte. Ce que je viens de vous expliquer là, c'est la réalité. C'est la réalité de la toile. Mbappa veut être blogueuse. Rêve Mbiaï veut être blogueuse. Rêve Saleté. Elle veut être blogueuse. Le problème, c'est que expliquer à cette femme-là que pour être blogueuse, il faut avoir une création. Il faut être un créateur de contenu. Tu ne peux pas être blogueur si tu n'as pas de création. Le Congo ça n'est pas une création de contenu. Parce que les gens se fatiguent du Congo ça. Regarde. Amer Kamer lance un live pour décrypter vos conneries là. Il a au moins 500 personnes. Malgré que la page n'est pas populaire. Abonnez-vous massivement sur cette page. Malgré que la page n'est pas populaire. Amer Kamer est reconnu par sa création de contenu. Voilà pourquoi il est reconnu. Donc, quand Mbappa dit qu'elle veut devenir blogueuse, Mbappa, il y a certains métiers que, Mbappa, il y a certains métiers que, il faut prendre la retraite tôt. La bordonnerie, c'est comme le football. Si tu entres, je ne sors vite avant que le corps parte. C'est dire la vérité, Mbappa, tu n'as plus le corps pour faire la bordonnerie. Voilà pourquoi tes prix sont bas. Voilà pourquoi. En gros, Mbappa, ton corps, c'est comme le championnat indien. Tu vois un peu, quand les gars ont déjà joué en Europe, ils vont seulement se cacher en Inde ou bien en Chine. Même la Chine, même ça joue déjà. Hein? Donc, Mbappa, ton corps, c'est-à-dire que comparer toujours la bordellerie avec le football. Plus tu entres jeune, plus on paye les vrais prix. Maintenant, tu veux faire une recomposition. Mbappa, Yacoub avait la paix avec toi. Non, ne l'appelez pas. N'appelle pas Amoury Yacouba sur mon live. Non, n'appelle pas Yacouba sur mon live. Je parle comme je parle à tout le monde. Moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je parle sans insulter les gens. Donc, tu ne peux pas appeler Yacouba, Amoury Yacouba. Parce que Amoury, il ne faut pas oublier quelque chose. Amoury peut avoir un événement. Il faut un artiste. Je vais prendre mon téléphone pour dire à Amoury que dans l'événement que tu organises là, et s'il n'y a pas moyen de placer au Chiga, c'est du business. Ne soyez pas étonné un jour que Amoury fait un événement. J'ai déjà aussi que non, je vais appeler pour que tu achètes. Ne soyez pas étonné parce que c'est l'argent. Ma calcul, ma plan. Voilà. C'est là où les abeilles et les Lulumaya sont tombés dans l'eau. Pendant que tout le monde veut le contrat de Gluta Boss, les abeilles entrent en guerre. Elles gagnent quoi alors? Qu'est-ce qu'elles gagnent? Parce que la reine mère Bio gagne. Elle a eu un partenariat. Patricia a eu un partenariat. Compresseur a eu un partenariat. On parle d'argent. On parle d'argent. Les seules personnes qui n'ont pas eu d'argent, mesdames, c'est qui? C'est Lolo. Ça pourrait faire à Lolo même un 700 ou un 500 euros par mois. Les gens devaient démarcher pour dire à Lolo que Lolo, pardon, le Congo ça ne paye pas. Va là-bas autour, si tu prends ta part de contrat là-bas. Ça pourrait faire à Lolo un 500 ou un 1000 euros par mois. Évidemment.
Ça pourrait faire 3000 euros par mois et un contrat par rapport aux ventes. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans les affaires? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans les affaires? Ouais, Michel Cougeron aussi, à Bordeaux aussi. Pour tous ceux qui sont à Bordeaux, il y a Michel Cougeron qui vend. Bruta Boss, tu dois aussi me payer pour parler de tes produits. Pour dire les gens qui vendent. Ils ne parlent pas pour rien. C'est même comment? Toi aussi, faut quand tu regardes que oui, amen, quand même, oui. Comme ça, tu m'envoies la liste de là où il y a tous tes points de vente. Je dis là où il y a tous tes points de vente. Tu me payes aussi pour ça. Ils ne parlent pas pour rien. Alors, le poisson que j'avais mangé, le poisson, il a fini. Aussi, quand elle a changé de comportement. Par là, elle veut la bloquer même. Voilà, depuis moi, elle veut la bloquer. Non, bloque. Celle-là, il faut bloquer. Non, tu vas même trouver que c'est un dengaké avec Nya Savant. Elle a encore le mal de ça jusqu'aujourd'hui. Maman, le bras, elle est sorti. Ouais. Quand je campe de me voir comme ça, là, il veut que c'est moi qui n'y a sauché aujourd'hui. Regarde, elle est malade. Hein. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe dans la vie. L'argent. Pendant qu'on me montre les immeubles, mais ça montre les clés des voitures. Mais ça, au Cameroun. Même ce qu'on appelle ambassade, l'Abga. L'Abga, il dit que même le Pelé, quand on va te dire que voilà le terrain de Messa qui est là, il n'y a pas. Quand on va te dire que voilà le terrain de Messa qui est là, il n'y a pas. Mais à mon témoin, il montre que voilà les voitures, voilà les trucs. Même si c'est un père non haut, à mon témoin montre, on voit. Ce que Messa s'est montré, c'est les voitures. Les clés des voitures de location. Il gagne 90 000. Il dit qu'il gagne 90 000 euros par an. Alors, le comportement d'un chômeur. Vraiment, la toile, on va tout voir sur la toile camerounaise aussi. Amout a 52 ans. Comment ça, Amout a 52 ans? Amout n'a pas 52 ans. Amout doit avoir 47 ou 48 ans. Je suis le grand frère d'Amout. Bon, bref. Bon, si Amout a 52 ans, c'est mon grand frère. Mais bon, moi, je pensais qu'Amout avait 47 ans. Attends, j'essaie de la bloquer de ce côté. Ouais, elle est bloquée. Donc, voilà. Donc, on continue. Donc, ce qui est dans le dit quoi? Ça dit, ça nous dit une chose, c'est que n'oubliez pas le plus important. Une blogueuse vit avec quoi? Hein, à Moutaine en 72. Ah, ok, d'accord, c'est que c'est mon grand frère, là. Bon, mais. Là, c'est ce qu'ils disent, non, parce que Patricia et la reine mère disent qu'il est leur petit frère, donc comment ils peuvent être ton grand frère? Non, on ne peut pas être ce qu'il te dit, à Moutaine avoir 47 ans. Donc, il disait dans ceci, vous allez remarquer que les Lolomania et les abeilles ont les mêmes symptômes. Ils ne voient pas loin. Ils ne voient pas loin. Regardez, on a refusé d'amener le Fombo en Côte d'Ivoire. Elle a commencé à pleurer partout. Plus bordel que les abeilles et les Lomania, il n'y a pas. Il est plus bordel que les deux là, il n'y a pas. Apprenez à chercher l'argent. Le travail d'un blogueur ou d'un follower, c'est de trouver des marchés à vos personnes. Votre travail, c'est votre travail. On dit votre travail, votre travaux. Votre travail. Votre travaux. Leur travail commun à eux tous, c'est leur votre travail. Votre travaux. Dans vos travaux, vous avez le droit, l'obligation de trouver des marchés à vos influenceuses pour qu'elles ne restent pas statiques. Jean Zobo, tu sais que Jean Zobo, c'est elle qui sortait avec Edgar Minasto. Non, c'est parce que comme elle n'a pas envoyé les étoiles. Donc, voilà. Donc, ne voyez pas comment je suis en train de parler. S'il y a un business, on dit à main qu'à main, fait la promotion de tel ou tel événement. Même si c'est un mot qui est dans l'affiche. Même si c'est mes qui dans la fiche, je vais prendre l'argent, je fais la promotion.
Je vous le dis. C'est important. Dans les abeilles, là, les Lomagna, mettez vos travail. Mettez vos travail. Trouvez des contrats à vos influenceuses. Trouvez les contrats à vos influenceuses. C'est important. C'est important pour leur règne. Une influenceuse qui a l'argent, c'est elle qui règne. C'est l'argent qui fait tenir une influenceuse. Aussi, regardez quelle heure. Oshiga, oui. Il est quelle heure? Comment ça te préparer? Le temps de prendre ta douche, le temps de faire tout ça, ça sert à 30 minutes. Le temps d'appeler le Uber, ça sert à combien? Les embouteillages, ça sert à combien? Oshiga plus amer quand même. C'est un bon jour. Donc. Non, aussi qu'elle n'a pas trop les fesses aussi, hein, avec trop, beaucoup de seins. Elle ne fait pas le bien ensemble. On m'a dit que oh, c'est parce que t'as habitué au waka. Il doit avoir trop les fesses et trop les seins pour partir avec. Ça va avec mon corps. C'est que j'aime. Ah, ça va avec ton corps. Et le bien ensemble, alors tu fais comment ça quand? J'ai à faire ça jusqu'à laisser, c'est un peu à la mode. Ah, non, ah, ouais, son corps, bon. Son corps ne prend pas le bien ensemble. Il n'y a rien qui peut me dépasser, j'ai tout fait. Même le piment. Même avec quoi c'est le piment, non? Tu parles de moi, ça, justement. Dans les filles qui veulent me niaiser, là, je suis en solde actuellement. Les filles qui veulent me niaiser, je suis en solde actuellement. Ah, mais tu es gigot, non? Tu dois. Mais gigolo, c'est un travail, mais tiens, vous pensez que les pompes que j'ai. De la même façon que toi, tu go walk. Ça veut dire que moi aussi, je walk le corps. Moi, vous parlez de quoi? Gigolo, c'est un métier reconnu en Bénin. Ça vous pose un problème? Non. Ça ne doit pas vous poser un problème. Gigolo, c'est un métier reconnu en France. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu là? Gigolo, c'est un métier reconnu en France. Moi, je n'ai pas honte. Pour l'instant, j'ai une seule cliente. Donc, trouvez-moi les autres clientes aussi. J'avais deux clientes avant. Mais l'autre a dit que, oh, c'est le sabotage, oh. Mais l'étoile me manque quand même. L'étoile, tu me manques. Il faut que tu reviennes seulement. On dit que tu as été excusé. Chez l'étoile? Mais si elle paye, où est le problème? Et toi, fais-moi un PayPal, comme ça au moins je m'en vais, m'excuse même tout de suite. Mon étoile d'amour, je serai à Nantes. Je serai à Nantes le 30. Toi et moi, même endroit, même moment. Campagne et l'hôtel. Merci Marie. Ah, ok. Entre Oshiga, l'étoile qui vient, qui est plus belle. Entre Oshiga et toi, qui bien qu'elle est plus belle. Et il faut que je relance le docteur. Pas pour la nièce. Il faut que je relance le docteur pour l'écrire. Parce qu'elle a une très belle main d'écriture. Tu es d'accord avec moi que le docteur a une belle main d'écriture, non? Moi. Ouais. Ah, j'ai accroché deux ou trois trucs sur ses écrits. C'est là parce qu'elle a dit. Moi, c'est ce que j'ai dit. Mais oui, elle a une belle main d'écriture. Ça découle quand elle dit qu'elle a une belle main d'écriture. Voilà ça que j'ai dit. Donc. Ouais. Mais laisse ça. Dis que docteur est intelligent, tu seras provoqué. Mais c'est même comment? Dis que docteur est intelligent, tu seras provoqué. C'est admirer son. Elle a quand même 25 ans d'études. Hein? Marlène, c'est comment? Ouais, oh. Qu'est-ce que après, c'est moi qu'on va coincer là-bas dans les transports communs. Ok. Moi, il y a seulement un pardon. Moi, je n'ai rien dit. Non, c'était pour vous tenir parce qu'il faut que je congèle encore. J'ai déjà fait 500 pompes. J'ai déjà fait 500 pompes. Il me faut encore faire une série de 500. Là, maintenant, je fais des séries de 100. Aussi, il veut que j'arrête comme ça. Là, il dit que je suis trop musclé. Aussi, là, il continue un peu, non? Les jambes. Si tu
Les cuisses. Les cuisses et les abdos. Non, les abdos, j'attends encore un peu. Les abdos, on travaille les abdos en été. Parce que moi, tes poulets sont en flingue depuis. Non, je ne peux pas poser mes pieds maintenant au camion, sinon on va m'arrêter. Tu sais, mon affaire là, mon groupe, apparemment, on a trouvé mes conversations avec Bruno Bidjan. Attends, toi qui as mis les têtes de mort sur le. Ah, il a enlevé. Oshiga n'a pas l'argent, dis donc. Tu pensais que si Oshiga avait l'argent, c'est qu'il a été ma bordonnerie depuis. J'attends qu'elle sera même disque de platine là. Maman, la manière qu'elle me fait ça, du moins, j'attends seulement le. Hé, maman, le si ça, de ça. Tu connais quand elle a trop fait voir une gamine à son heure de gloire arrive. Le sisya, quand tu mets souvent un petit, tu dis que ben, t'as égo seulement. C'est bien comme tu es préparé psychologiquement. Mais aussi, à préparer psychologiquement. Que le jour où tu as brisé mon frère, je vais seulement prendre mes affaires et pas. Parce que sinon, la maltraitance qui m'attend là, ben, t'as égo, c'était au village. Si tu es obéissant, pourquoi on va te maltraiter? Mais c'est dans l'obéissance là, alors que ça sera grave. Non, ok, je l'ai appelé mentalement, non, ok. Vous pensez que quoi? La manière que vagabonde les tous, il y a comme il dit que vagabonde encore, je vois. Oh, tu te rappelles quand j'ai insulté tout court au chic à manger. Mais voilà, j'ai un disque d'or maintenant. Tu disais que tu pars où? Tu ne sors pas. Tu gardes les enfants. Tu accompagnes les enfants. Hé, hey, on va seulement me voir comme ça, on est en train de conduire. Hé, hey, Amec, Amec. Calix, matin, de ça. Qui m'a. Oh, voilà ce que je n'aime pas. Quelqu'un reste ce soir en jury là-bas, il va m'appeler par mon nom aussi là. Martin. Donc Martin, c'est ici que je vais m'appeler par mon nom. Attends, je regarde même son profil. Il m'appelle carrément comme ça. Hein? Il veut montrer qu'il me connaît, non? Vous savez même comment? Tu peux pas dire bonjour à mère. Il veut montrer que donc, toi, tu es différent des autres. Et le pire, c'est que je cherche son nom dans ma tête, je ne le trouve pas. Il va jusqu'à y prendre mon nom français pour si tu vas me voir chercher les papiers. Donc, je pense qu'on a fait le tout. J'ai oublié quelque chose. Ça veut dire quand on me dit même souvent que mes sangs sont beaux, j'ai ri seulement. Quand on me regarde, on regarde mes sangs. Qui est beau parmi nous deux? Sérieusement? Je n'ai pas encore mis mes sangs en vrai. Mais ça a un gros ventre. Les amers choux, les choux crés, je bloque. Tu bloques qui? Je vous préviens. Tu bloques qui? Alors écrivez-moi choucre en bas là. Je vais les bloquer. Et t'enlèves sur ma page. On t'a dit que c'est ta page ici. Ah donc à mes choux, on ne peut pas dire, mes choucres on peut dire. Qu'est-ce qu'il y a à mes choux là? Dites, toi, je te bloque d'abord. Dites choucré, à mes choux. Toi-même je te bloque d'abord. Voilà. Attends seulement. J'attends quoi? Maman, ne vous raconte pas l'autre jour. Maman, ils allaient à la soirée l'autre jour à vos chigas. Les abeilles. Hey, la bordelie des abeilles, hein, ça n'a plus de limite. Une abeille est venue s'asseoir sur ma cuisse. Je ne suis pas. Et je voulais encore passer pour une chose. Si vous me voyez dans la rue, demandez-moi de faire les photos. Pourquoi vous avez toujours honte? Demandez-moi les photos, je vais accepter. Vous me voyez dans la rue, dites à mes camarades, ils ont fait la photo, je vais accepter. C'est même comment, vous avez honte? Ouais, mais je peux. Ma chérie, tu viens faire la photo, tu veux te faire la photo et la vidéo. Vous êtes même comment? Si vous voulez vous faire joyeux anniversaire, vous me dites, Amen, Amen, pardon, vois mon voyage, pardon, fais-moi un joyeux anniversaire, je m'appelle un tel. Je te fais ton joyeux anniversaire et tu passes au PayPal. Arrêtez tout le faire, genre que non. Il y a mon numéro PayPal sur ma page Facebook. Si tu as envie que je te fasse une dédicace de joyeux anniversaire, si tu me vois dans la rue, c'est gratuit. Mais si c'est pas au hasard, quand même, il faut que tu me motives. Je vais par exemple, bon, je prends un pied, je prends au hasard. Tu sais ce que tu es en train de dire là? Si tu vois 15 personnes et que les 15 viennent dans la rue, tu fais quoi? Mais je vais faire joyeux anniversaire tous. Ok, je serai devant. Tu seras où? Je te laisse la rue. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Oui, parce que souvent, c'est à moi qu'on a le téléphone, non? Je vous laisse la rue, je pars. Non, elles auront leur téléphone, non? Oui, mais qui doit tenir? C'est elles-mêmes qui vont tenir. Souvent, elles me donnent le téléphone, elles le font genre. Elles vont pas te donner le tout, si. Voilà.
Elle est seulement jalouse. Maman, tu es toi. C'est toi qui n'as pas les moyens, c'est toi qui es jalouse. Je vois ça souvent. Hein. Jalouse de quoi? Je ne travaille pas gratuitement, c'est tout. C'est une chance pour toi de marcher avec ça. Quand tu es dans la rue, tu es dans tes occupations, dans ta vie privée. Donc, oh, 15 personnes vont pas t'arrêter quand je vais la vidéo de l'anniversaire. Tu parles de quoi? Mais dis que. Donc, c'est parce que tu es jalouse. Hein. C'est pour ça que les poussins sont morts là-bas. Maman. Marche avec l'argent sur toi, tu ne veux pas prendre. Tu vois, non. Mais ça n'a pas 77 ans. Comment tu peux écrire ça? Amen, Kamé, s'il te plaît. La population de Mandumba demande la délocalisation de ta caution. Bon, gars, il n'y a que toi. Va aller regarder les Facebook. Et bon, tu as envoyé quoi ici? Voilà. Tu ne dis rien à mes camarades. Je ne sais pas, ça vous est qu'il trouvé. Donc, ils disaient non ceci. Non, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas, vous me voyez dans la rue. Voilà. C'est comme ça aussi que vous allez dans mon PayPal, vous envoyez des PayPal. Amen, Kamé, ça reste le numéro 1. Ben oui, parce que je ne suis pas dans l'insulte, je ne suis pas dans la vulgarité, je suis dans ce qu'on appelle, je suis dans l'éveil de conscience. Arrêtez de vous faire manipuler. Mais bien évidemment. Bien évidemment. On est quand aujourd'hui? Jeudi. Jeudi au quantième. Le 14. Le 14. Attends un peu. Normalement, je dois avoir une coupe. Donc voilà. Non, le problème c'est que. Le problème c'est que. Ok. Merci Michel. Oh, Michel et Somba. Oh, maman, voilà les vraies femmes. Michel et Somba envoyé 500 étoiles. Michel, c'est comment, non? Michel, toi aussi, invite-moi, non? Ouais, Michel, c'est même comment? Je suis à Paris. Michel, je suis à Paris. Pardon, je souffre. Pardon, je souffre. Maman, une femme me prend, me met dans la maison comme ça, seulement pour laver les assiettes. J'espère que tu vas bien, j'espère que... Voilà les vraies femmes. Vous êtes là, vous regardez le live depuis, vous ne motivez même pas. Et que vous ne donnez même pas envie. Avant, j'avais ma milliardaire ici, mais quand même au bout d'eux, ils ne comprennent pas pourquoi. Mais c'est une vérité. Je vous ai dit, je vous répète, pour tous vos dédicaces, vous m'écrivez par WhatsApp. Surtout si vous me voyez dans la rue, n'hésitez pas à faire des photos avec moi. N'hésitez pas. Et abonnez-vous massivement sur cette nouvelle page. Là, nous sommes déjà une quarantaine. Bon, c'est vrai que le réseau est un peu, lent. Voilà pourquoi il y a des pertes, il y a de ceci. Mais ça fait quand même depuis une heure, plus d'une heure qu'on est là. Donc voilà. Mais Michel, merci encore. Florence, merci pour les étoiles. N'hésitez pas à envoyer les étoiles.
N'hésitez pas à partager les lives au maximum. Surtout si vous avez des sujets. Likez la vidéo. Et à partir de demain, on va mettre des nouvelles vidéos pour la série Amer et Oshi. On va commencer à remettre ça demain. Ouais, il y a le goût. Vous mettez votre scarabée, vous mettez type scarabée ou le scarabée à côté, il y a un groupe d'étoiles déclenchées. Donc tous les gens que tu dis que vous venez m'appeler choucré, venez m'appeler ceci, qu'elle vient mettre les étoiles maintenant. Elles vont mettre non. Qu'elle mette maintenant. Voilà. Les gars, bon. Vous avez eu la bouche de la fille. Fermez-moi la bouche de la fille là, pardon. Les scarabées sont là. Quand on est là, et... ça se voit. Bon de quoi. Donc quand Michel est souvent ma personne personnelle. Pardon, mais hé. Hey, Patricia est où? Patricia Chou. Mettez-nous le groupe d'étoiles. Comment fonctionne le groupe d'étoiles? Il faut activer ça comment? Il faut combien d'étoiles? Il reste 4 minutes. Il faut combien d'étoiles? Combien d'étoiles? Moi je ne vois pas d'ici. Je suis connecté avec ta page, non. Attends, comment il peut faire? Moi il peut voir. Non. Ah non, ce sont les autres qui peuvent voir. Eux, ils peuvent voir. Il faut aller avec un compte perso, je ne sais pas. Un compte étranger en tout cas pour voir. Ton faux profil, attends, j'ai un autre faux profil. Attends. Attends, je vais entrer avec mon faux profil là. Le faux profil que j'amène souvent chez mes sangs là. Il faut 500 étoiles apparemment. Et que même si ça ne... il faut combien? 500 étoiles. Ouais. Oui, Michel la milliardaire. Ouais, Kougerol, c'est comment? N'hésitez pas, pour ceux qui veulent les produits de Glutabos aussi, pour ceux qui sont à Bordeaux, Michel gère ça au niveau de Bordeaux. Donc, vous contactez Michel qui est là. Donc, il manque 500 étoiles. 3 minutes. 3 minutes, il manque 500 étoiles. Donc, Michel, tu peux bombarder 500 étoiles là. Est-ce que moi, elle m'inquiète, elle va bombarder. C'est ça que je l'ai appelé. Pas tes moucherons gays là. Non, ils ont donné la... Non, tout l'argent est parti pour la chirurgie, non. Ah, Michel Essomba, oh, avec... Tu parles de quoi? Seulement la bouche, seulement la bouche. Voilà Michel Essomba qui est là. Voilà les nez, hé, maman, quand il parle. Hé, les Michel Essomba. Oui, il a dit ça tout. Quand vous mettez quelque part, mettez le signe scarabée ou vous mettez le signe du scarabée. On doit vous respecter. On vous manque trop de respect sur la toile-ci. Oh, Michel, merci Michel, maman, hé, hey, Michel, ils sont là, oh. C'est vrai quand même que, Michel, ça fait longtemps qu'il est dans les réseaux quand même. Michel, tu fais partie des doyens des réseaux, hein. Merci, 2000 étoiles, merci, merci, merci. Voilà, alors, je ne peux pas mettre là, toi. Les gens en voient, toi, tu applaudis. Maman, c'est normal, chacun son travail. Ouais. Ouais. Alors, Michel Courloge. Michel, ouais, c'est Michel ce soir. Maman. Merci, Michel Courloge. Mais, Michel, ça fait longtemps quand même, hein. Même quand il fait le live. Oh, oh, il dit qu'ils sont déclenchés. Voilà. Et parle comme ça, ils ont venu me manquer le respect ici. Ils ont venu me manquer le respect ici. Voilà, je suis prête. Il y a les trucs dans le sac là. Quel truc? Comment tu dis quel truc? Quel sac? Là, la bandoulière là. Non? Mais. Ouais. Ok. La bandoulière là. Non? Mais c'est dans les trucs qui sont par terre. Oui, Michel Courgerol, merci, franchement. Non, une fois, attends, c'est mon record. C'est pas Courgerol, c'est Courlong. Oui. Ouais. Courlong. Les noms trop français. Les noms français de la France. Mais attends, qu'est-ce que tu voulais? Parfois, tu fais. Oui, c'est mon record. Ah, c'est mon record de 2600. J'ai déjà eu plus ou pas? Non. Ça ne pouvait pas atteindre 2600. Oui. Je pensais plus. Bon, on tapote, on partage le live.
Non, c'est parce qu'ils ne sont pas habitués à m'envoyer les étoiles. Maintenant, je pense qu'il faut que je vous forme à envoyer les étoiles. Oui. Mais je suis là, honnête. Ah, ok, d'accord. Ok. Parce que l'impression que le manque de respect dans la maison aussi là. Le manque de respect doit être établi. Bah oui, hein. Quand le gars est bien à Paris, il va envoyer les étoiles. C'est comme le gars est bien, vous. Oui, oui. À Paris, la position est importante. Le dos est dur. Le dos est dur. Aussi, le gars est bien. Tu me gardes bien, mon père, mon gars aussi te garde bien, mon gars. La dernière fois. Elle achète ta main, ta main. La dernière fois, quand je suis venu chez toi, j'ai perdu le poids. Tout le monde a pas failli me perdre la dernière fois. Tu sais pourquoi tu as perdu? C'est pas parce que tu ne mangeais pas. C'est parce que je ne mangeais pas. Je mangeais une fois par jour. C'est ça. Et que si tu manges mieux ici que chez toi avec tes boîtes là. Ok. Ne fais pas ça. J'ai pas envie de parler. Pourquoi on me prend? C'est pour aller faire le tour des réseaux sociaux avec. Parle. Amaïk a maigri sa dernière fois. J'ai la photo. Et là, tu grossis pourquoi? Parce que celui-là, ma nourriture, le tout, c'est. Mort de rire, avec tes boîtes là. Je ne mange pas mes boîtes de conserve ici. Pardon, moi, c'est parce que le tout, c'est celui-là, mes boîtes de conserve. Au moins, quand je suis chez moi, je grossis mes boîtes de conserve. Tu dis que laisse les gens, tu grossis quoi? Maman, même pour aller pisser, on ne te demande pas de tirer la chasse. Tu sais pourquoi tu as maigri? Dis. Tu vois? Tu sais pourquoi tu as maigri? Dis-moi. Tu étais très actif, mais pas assez sportif. Tu vois un peu? Très actif, mais pas dans le sport. Tu si, vous voyez ce que je veux dire. Hein? Je ne mangeais pas. Je niaissais tous les jours. Mon frère, il dit que. Après, tu te plains que. Tu... Maintenant, tu niasses, non? Est-ce que tu ne niasses plus alors? Non. Maintenant, j'ai dit que maintenant. S'il n'y a pas un certain... Maintenant, c'est compliqué. C'est avant qu'il y ait un jour. Maintenant, là... Tu viens jouer dans mon frère. Les mamies sont d'abord petites comme ça, là. Quand vous allez chez les femmes, regardez d'abord la grosseur des mamies. Si tu vois que c'est les petites mamies, t'es un beau, prépare-toi à manger dehors. Et toutes les filles qui habitent à Paris, hein, elles ont seulement les petites mamies. Les petites mamies, on te fait le riz. Tu as l'impression que c'est le riz de la maternelle qu'on a en train de faire. Tu as déjà regardé le riz comme ça, tu ris seulement. Nous sommes intégrés en France, on ne fait pas les mamies, les kumbo comme au pays là, pour les familles. En province, hein, tous les Africains là-bas ont les grosses mamies. Les familles de 12. Après, on s'étonne que tu, maman avait perdu le poids. Maman, ils sont rentrés là-bas, on a perdu. Les gens se disent que, oh, Amel Kama, le sida, oh, Amel Kama, maigri, oh, maman, il n'est pas maigri, il ne mangeait pas. Oui, oui, maman, mon pion dit que tu m'as donné le sida. Mais où est le problème alors? Elle est dans la sérologie de toute la toile. Elle connaît l'état sérologique de toute la toile. Attends, je vais lui mettre un voice. Elle a le carrefour entre les dames. C'est toujours. Bon, elle connaît le voice que tu vas mettre. C'est tout son grand frère qui nous a dit qu'elle a les pattes en bas. La pâte. Ou c'est la pâte de pistache. Ou c'est quoi là en bas là-bas. Bah, pas bien écouter. Elle est dans l'état sérologique de toute la toile. Bah, pas bien écouter ce que ton propre grand frère a dit. Mito Pro Max. Mythomanie. Je vais bien finir avec elle. Pour rappeler, les Aemurawi, 1. Anoum, 2. Anoum. Agoué malédiction, Balombe, Bawosida, Yatibo, 3 sur 3. Et que Coco, Kouetou, avait doigté, Akala, Goué. Sa famille, Agoué, Pète, Ekiri. Bon, attendez. Je vais vous mettre le CV de Papa, détaillé par. Jean-Louis Messan, son grand frère, voilà. Qui est en train de détailler le CV de Nadège Mbappa. Avec elle, comme d'habitude, tu sais bien finir avec elle. Ou tiens, ou rappelez les Aemurawi, 1, Anoum, 2, Agoué malédiction, Balombe, Bawosida, Yatibor, Bawaso, 3, et que Coco Kouetou avait doigté. Akala Gwe, Agwe perte, et Kéréye, perte et toujours. Et bon, comme le foufou dort, elle ne sait pas se laver, le Kouetou. Tu lui donnes sa propre. Toutes les. C'est pas moi. Nadège. Mais même nous. Toi, tu es en train de voir. C'est ce que me sentit.
Peut-être si tu discutes, tu te remets encore la partie là. Il faut finir avec elle comme d'habitude. Tu sais bien finir avec elle. Ou tiens, ou rappeler les Aemura Wip 1, Anoum 2, Agoué Malédiction Maloumé Bangosida, Yatibur Bobasso 3. Il dit que, Mbappa, mais en tant que macho, on a failli perdre en tant que. Mbappa, les gars, on a failli perdre Antoine Bacho, hein. Mais je ne vois pas le sac là. Yéma Yéngbe. Tu as regardé à côté du. À côté du lit là-bas, tu as trouvé, tu as vu. C'est pas là. Tu prends la voix. On te demande ça. Attends, en attendant, je mets la voix, le vol, le vol, le vol. Pour finir avec elle, comme d'habitude. Tu sais bien finir avec elle. Outien, pour rappeler Yé. Les Aemura Wip 1. Anoum 2. Agoué malédiction, malombe va aussi d'ailleurs à Tibour Bobasso 3. Et que Coco Kouetou avait doigté à Kalagoué, Agoué pète et créé, pète et toujours. Et bon, comme le foufou foufou d'or, elle ne sait pas se laver, le Kouetou. Tu lui donnes sa propre. Bonjour mon fils, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire que je crois que tu as écouté ce que Amin Kamer a dit hier. J'aimerais que vous mettez Amin Kamer à sa place. Amin Kamer ne peut pas me manquer de respect parce qu'il veut faire plaisir à des bijoumboura, comme je les appelle. Je ne sais pas si tu as écouté son direct, mais si tu ne l'as pas, si tu ne l'as pas écouté, il faut l'écouter. Et j'aimerais que Amin Kamer, que vous le mettez à sa place. Il n'a aucun droit de me manquer de respect. Toutes les balles, toutes les insultes que j'ai prises sur sa personne, il ne doit pas se comporter comme ça. Bonne journée à toi. On est ensemble. Bye bye. Ciao, ciao. Mais sinon, ne t'en fais pas. Moi, je ne peux plus arranger avec Amer. Il n'est pas quelqu'un avec qui on peut marcher. J'ai compris ça. C'est pour ça que j'ai pris du recul. Si vous avez remarqué, même sur la toile, il y a un bon moment, j'ai pris beaucoup de recul avec. Donc, c'est juste que ça s'est arrivé, mais c'est de bon augure, c'est bien pour moi. Parce que de toute façon, je m'étais déjà mis de côté. Donc, il n'y a rien à ranger, je n'en fais même pas. Voilà, donc, comme elle va sur ce terrain, eh bien, là-bas aussi, je vais lui montrer que nous, les bassins, nous sommes les guerriers. Quand tu cherches, tu trouves. Donc, il faut vraiment bombarder. Et avec des titres, tu sais que c'est les titres qui attirent les gens. Donc, tu mets vraiment un titre conséquent pour que... Monsieur Propre, Monsieur Propre. Ça, c'est le nom de son mari. Et si tu lis dans le... Ce n'est que lui. Il y a son nom là, comme c'est compliqué. Ok, ok, mon fils, il n'y a pas de souci. Envoie les coordonnées, je vais faire ça le week-end. Ok, bonne journée. Et puis, je ne sais pas si tu as entendu que Mbappa a insulté ta maman hier. Il faut m'insulter Mbappa. Lui faire les caricatures au sol correctement qui a Emoura, oui, parce qu'elle, elle ne fait que voler. Dis au matarbe, Annie, Anoum, 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 Djé, il faut, Anoum, Djé, Annie partout au matarbe, Anoum, Djé. C'est le seul de papa. Au sol correctement, tu attends quoi? Putain, regarde là, demande à ta tante, bébé, tu. Elle a fait un direct à maman hier où elle parlait de moi et de ta maman. Tu dois la remettre à sa place. Rappelez-le. Le couple, mais ça ne sent pas le mbunga. Donc, il ne faut pas les mélanger avec toi. On n'a pas envie d'avoir l'odeur du mbunga comme toi. Bonjour, mon fils. Quand tu es debout ou alors quand tu as mon message, fais-moi signe. Moi, le travail d'un homme sur la toile. Envoyer les voices, à insulter les gens en Nibé. Voir le travail d'un homme sur la toile. Ya! Yeah! Ya! Yeah! Voir le travail d'un homme sur la toile. D'un homme. Ça veut dire que lui l'a trouvé comme profession. Maman, tu n'es pas encore parti. Tu cherches quelqu'un?
Voilà le travail d'un homme. Regardez tous les enregistrements d'un homme. C'est plein. C'est plein. Maintenant, on va même voir là même où. Hey, Seigneur. Voilà le travail d'un homme sur la toile camerounaise. Monter les coups bas. Envoyer Nader Mbappé pour aller piéger à moi. Amour, tu t'es dit. Prends comme tu veux. Sors dans cette connerie-là. Sors dans cette connerie-là. Mais si tu ne veux pas sortir dans cette connerie-là, ça va te retomber en pleine gueule. Là, tu n'as pas vu la suite. Hein. C'est un chamaïla avec la reine Mébio. Qu'est-ce que ça? Ça a commencé. Amour. Amour, de la reine Mébio en clashé. En poste. Par poste écrit. Amour, t'as écrit quoi? Je sais plus ce qu'il a écrit. Enfin, je sais pas. J'ai vu un long truc que la reine Mébio a écrit. Et puis lui, il a écrit en bas, à toi, la... enfin, il a écrit une phrase après, à la fin, il a mis à toi la haine. Les grandes formules. Qu'est-ce que ça a montré que ça? Oui, c'est lui qui a écrit, c'est son nom. Non, ok. Non, on connaît Kamout. Amou ne dépasse pas quatre lignes. Oui, c'est ça, c'est une phrase. Une phrase de quatre lignes. Amou, lui, les une phrase, mais à la fin, il dit, enfin, dans la phrase, il dit, ah, c'est ce que j'ai retenu qui m'a marqué. Je crois qu'il a dit qu'elle n'est pas très bien, que ça ne va pas bien chez elle et qu'à elle la haine, en gros, que lui lâche l'affaire, à elle la haine. Genre, elle est haineuse parce que elle m'a dû expliquer qu'elle a vu son vrai visage, qu'il fait comme s'il ne voit pas le comportement. Il va t'expliquer. De maman. Maintenant que tu viens de m'expliquer ça, tu sais ce que ça me rappelle? Quoi? Étant donné qu'Amour est prêt à tout, Amour fait ça pour montrer à Flo que tu vois que je ne me suis pas. Tu vois que la reine Mébio a voulu être en contrat. Parce que le problème, c'est que pour que Amour continue à marcher avec Flo, le contrat, c'est que la reine Mébio doit être décartée. Patricia Mébio. C'est ce qu'elle dit dedans. C'est ce que Patricia. C'est ce que la reine Mébio dit. Que depuis l'autre, les nargues, il ne dit rien. Mais il fait genre, il veut trop faire la paix avec elle. Il ne peut pas avoir les deux. Mais il ne voit pas ce que l'autre, sa fille, fait. En fait, il ne parle pas de ça. Quelle sa fille? Sa fille, c'est qui? Moi, elle non que moi, elle ne prononce pas. Hein. Qui, Flore? Sa fille, c'est qui? Il a deux filles sur la toile. Non, son ex-fille. Ouais, bon, est-ce au présent ou est-ce sa fille? Ah, ok. Donc, si je comprends bien. Non, Corinne, envoie d'abord les étoiles. Tiens, tu viens d'entrer, tu arrives en retard, mais envoie les étoiles, non? C'est comment? Envoie les étoiles. Tu dis que tu arrives en retard dans le chat. Envoie les. Ah, donc, si je comprends bien, je m'explique. Ça veut dire que la réconciliation entre Flore et Amour fait l'éjection de Patricia Mel et de... Visiblement. Mais c'est tout à fait normal, c'est un bon calcul. Visiblement. C'est un bon calcul. Mais tu sais là où ça va endem? Tu sais où ça va endem? Non. Ça va endem parce que la connexion maintenant entre... Parce qu'on va faire une connexion entre Amour et Messan. Pour combattre... Amour, t'as vraiment compris ça. Ouais. Ah bon, hein. Depuis la nuit des temps. Ah ouais. C'est fort, hein. Mais de moment tes ennemis sont en train de se rassembler, c'est la magie. C'est la magie. C'est-à-dire que Amo tes compresseurs, c'est comme compresseur et Lolo. C'est la même chose. Et Amo t'encore, c'est un pire. Waouh. Parce qu'Amo t'a voulu faire. Amo t'a voulu arrêter. Mais Messan aussi a fait un post aujourd'hui où il a dit que. Il y a eu ça chez Toli.com. Le seul média de l'heure menacé par toutes les teams, hein, soit dit en passant, toutes les teams menacent Toli.com. Bref, ça m'a dit que l'ami de son ennemi n'est pas son ami. Quelqu'un qui commente chez son ennemi est son ennemi. Quelqu'un qui parle, qui cause avec son ennemi. Bref, tout ça pour dire que soit... Mbappé. Et la reine des bouchons, parce que ça les concerne toutes les deux, il me semble. Les deux sont partout. Donc, je ne sais pas s'il parlait de la reine des moucherons. Est-ce que Messan est courageux? Messan est courageux. Là, avec les enregistrements qu'on va pas sur Messan. C'est que si ça concerne les deux, parce que les deux sont partout. Moi, je me régale. Hein. Vous êtes toutes ces vieilles personnes en train de se chamailler, comme à l'école primaire. J'adore! Bon, moi, je m'en vais. Donc. Et sur le Congo, ça, depuis mon téléphone. Ouais, pas, ouais. De plus, tu n'es même pas parti. J'aime un gars que tu dois appeler quand tu n'es pas là. Tu crois qu'elle n'a pas compris? Mais est-ce qu'elle n'est pas là? Il y a le ciel sur ton téléphone. Mais tu penses qu'elle n'est pas là en cachant? Depuis que tu es là, tu dois partir, tu ne peux pas partir. Appelle un gars qu'elle. Le pays sait même comment.
Tu n'as pas pris les clés. Attends. Oui. Ouais, comme ça, juste que tu ne sors pas. Sors la poubelle, hein. Tu sors ça à la poubelle. Et la fille ici. Quand on va encore te bastonner là-bas, tu vas aller là. Donc, Clotilde Crotandolemba. Non, ah oui. Maman, donc j'ai raté les épisodes. Hein. Ouais, Coujolol, pardon. Si tu n'es pas. Coujolol, envoie, pardon, envoie la demande. Si tu n'es pas à jour. L'engagé père ne veut pas partir, il a programmé mes appels, il doit coller Mengaka. Vous riez pourquoi? Eh, ma bouche, ma, hey. Maman, quand quelqu'un se sauve à Mengaka, mais tu sais, toi, que tu sauves un gars qui aime pour les femmes dehors. Donc, quand je suis un peu libre là. Donc. Ah, ok, d'accord. Donc, si je comprends bien. Ah oui, ça a commencé à fighter. Donc, la condition pour que Flo marche avec Amout, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait Patricia et Ren Mebio. Maman, donc, ça veut dire que. Attends, attends, attends. Ça veut dire donc que c'est. Mais Sam qui est en train de faire allégeance à Amout par le biais de Nadège Mbapa. Waouh. Mais Sam fait allégeance à Amout par le biais de Nadège Mbapa. Voilà pourquoi on a déjà compris ça que ça va donner la force à Flo pour neutraliser Compressor et Glutabos. Ouais, c'est une bonne carte. Ça, c'est une bonne carte. Ça, ça veut dire qu'au lieu que Flo, au lieu que Flo attaque Compressor directement, elle peut passer par Amout et Mbapa plus Messan pour contourner par derrière, pour ressortir. C'est ce que Patricia a vu. Donc, comme quoi... Ah ouais. Le décryptage, là, c'est l'amour. Amérique, mais c'est le contrôle, c'est la télécommande du contrôle. Car quand je joue le live, il tape que les vérités. Mais c'est beaucoup plus intéressant pour... c'est beaucoup plus intéressant pour Flor. Vous savez pourquoi? Ça permet à Flor d'avoir la même mise. Oui. Ça permet à Flor d'avoir la même mise sur... sur la toile. Ouais, c'est un bon calcul. C'est là où Flo a fait sa plus, c'est là où Flo a fait sa plus grosse connerie. La plus grosse connerie de Flo, c'était quoi? Si Flo voulait contrôler la toile, j'étais la personne absolue. J'étais l'élément alpha. J'étais la pièce qui manquait à Flo pour contrôler toute la toile. La sortie d'Amérique à main. Parce que n'oubliez pas, Amer Kamer crédibilise Flo dans les réseaux sociaux. C'est important. Une femme amoureuse a toujours une grosse crédibilité dans les réseaux sociaux. Flo amoureuse d'Amer Kamer rehausse la côte de Flo. Sécurise les abeilles. Ça fait qu'on arrête de dire que leur reine est l'aînée. C'est important. Maintenant alors, le fait qu'Amer Kamer ne soit pas à côté, ça fragilise la ruche. Et ça remet la ruche en question. Où la ruche va s'adosser sur la tête cassée. L'entrée d'Amout tombe bien parce que Messan a le dos au sol. Messan n'a pas le dos au sol par rapport aux autres. Messan a le dos au sol parce que c'est sa garde rapprochée. On va dire que Messan, c'est comme le président de la, du Niger qu'on a tombé là. Messan, ce n'est pas le président du Niger qui était tombé là, on n'a pas Tchani. Le président du Niger qui était tombé là, c'est qui? Messan, c'est comme le président du Niger qui était tombé là. Sauf que Messan tombe, pas parce que c'est la toile, parce que c'est sa garde rapprochée qui met Messan au sol. En profitant du fait que Messan se trouve au sol,
ressort parce qu'il est connecté par Flore. Parce que Flore a fait une première tentative de neutralisation de compresseur via les premiers voices. Ça a raté. Donc la deuxième phase maintenant, c'est en passant par Amour. Simple comme bonjour. Demain, mon tableau, j'ai commandé un tableau. Je vais vous montrer le tableau. Demain, je vais prendre le tableau. On va un peu faire ça. Maintenant, vous allez commencer que tout là, on va choisir un tableau que deux fois par semaine, il y aura la mathématique au tableau. Ça veut dire que les tendances du coup, que, non, vous ne vous inquiétez pas. Comment ça? Je ne suis pas Bassa, je suis Camerounais. Ma patrie d'abord, je suis Camerounais. On va revenir dans cette analyse quand mon tableau va revenir. J'ai commandé un tableau et ça va se passer comme ça. Malgré ne soit où. Merci la famille. Bon, je reste connecté sur TikTok. Bon, pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez me rejoindre sur TikTok. Donc, je reste connecté sur